the next point, we should ensure whatever we see is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Mes apprenants aimables, il me plaît beaucoup de vous souhaiter bienvenue à cet apprentissage électronique organisé par l'État de Kaduna. Soyez les bienvenus. Comme d'habitude, je suis là pour vous enseigner la langue française. Je m'appelle M. Wole Agboulouadjé. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est la rédaction descriptive. La rédaction descriptive. Bon, avant de continuer à discuter, qu'est-ce que s'agit-il la rédaction descriptive? Que s'agit-il la rédaction descriptive? La rédaction descriptive est une sorte de composition qui décrit une personne ou un objet de manière vivante. De plus, c'est une sorte de composition qui donne pleine information de quelqu'un ou bien de quelque chose, surtout de la nature de la personne là, ou bien de quelque chose là. Ça, c'est la rédaction descriptive. C'est la rédaction, c'est la composition qui décrit quelqu'un ou bien quelque chose, qui nous donne pleine information de la nature actuelle de la personne là, ou bien de l'objet là. Ça, c'est ce qu'on s'agit-il, la rédaction descriptive. Bon, dear students, what we are discussing today, what you are learning today, is what we call descriptive essay. Descriptive essay. You know, descriptive essay is one of the four types of essay that we have. We have descriptive essay, expository essay, argumentative essay, and the narrative essay. But the one we are discussing today is descriptive essay. And we said that descriptive essay is the type of essay that describes somebody or something vividly. It gives us full information, detailed information about somebody or about something. That is what we are here to discuss today. So that gives us the precise description of such a person or of such an object. La rédaction descriptive dont on parle peut figurer aussi un événement déjà déroulé, un événement déjà déroulé, une action qui est déjà passée. Par exemple, si on vous demande de décrire ou bien de parler de votre dernier anniversaire, le dernier anniversaire, peut-être vous avez déjà fêté l'anniversaire là, peut-être février ou bien janvier de cette année. Soit février, soit janvier sont déjà passés, mais on vous demande de décrire les activités, fichées, les activités que vous êtes engagé dans la cérémonie de l'anniversaire là. Vous écrivez le type de la rédaction que vous écrivez, c'est la rédaction descriptive. Vous décrivez ce que s'est passé pendant l'anniversaire là, pendant la cérémonie là. Bon, aussi, la rédaction descriptive peut
aussi décrit une activité quotidienne, c'est-à-dire une activité qu'on fait ou bien qu'on s'engage tous les jours, quotidienne. Par exemple, on peut vous dire, par exemple, les activités comme votre loisir, okay? Parler de votre loisir le plus préféré. So, si vous parlez de votre loisir le plus préféré, peut-être c'est le foot, peut-être c'est le ping-pong, vous écrivez le ping-pong, bon, ce que vous écrivez s'appelle la rédaction descriptive. Bon, nous avons ici certains sujets, ou bien quelques sujets de vous donner comme des exemples de sujets pour lesquels vous voulez écrire la rédaction descriptive. Par exemple, parler de l'anniversaire du mariage de vos parents. C'est un sujet qui vous demande de la rédaction descriptive. Aussi, nous avons discuté le métier que vous aimez beaucoup. Discuter le métier que vous aimez beaucoup. C'est un sujet qui vous demande d'écrire la rédaction descriptive. Aussi, vous avez décrivé votre vie natale. C'est un sujet aussi qui vous demande d'écrire la rédaction descriptive. Qui est un professeur de français? Parlez de votre plat le plus préféré. Décrivez votre ami intime. Et ainsi de suite là. Ces sujets-là sont des sujets qui vous demandent d'écrire une rédaction descriptive. Bon, au cœur d'écrire une rédaction descriptive, c'est-à-dire une composition descriptive, quelle est la diction précise, la diction appropriée qu'on peut utiliser. Vous voyez que quand on parle de la diction, on parle du choix de mots. Bon. Au cœur d'écrire une rédaction descriptive, on employait soit le présent de l'indicatif, soit l'imparfait ou bien le passé composé. Ça dépend du contenu de votre sujet. Quand on vous donne un sujet, donc c'est le contenu du sujet-là qui va vous guider de choisir soit le présent de l'indicatif, soit l'imparfait, soit le passé composé. What we have been saying is that in writing descriptive essay, the content of the topic given to you will determine the type of word or the type of tense you are going to use, because it can take present tense, it can take a perfect tense, or it can say even past tense. For example, if you are asked to describe your last birthday anniversary, then in the course of writing that, you are in need of passé composé, you are in need of past tense and l'imparfait. But when you are told, when you are asked to describe your best game, your best game, then there, you don't use past tense, you use present tense. So that's why I said it depends on the content of the question or of the topic given to you. So maintenant, on va voir le processus d'écrire la rédaction descriptive et par étape par étape. Quels sont les processus d'écrire? Numéro 1, c'est-à-dire première étape, c'est
écrivez le sujet de votre rédaction avec les premières lettres de chaque mot en majuscule et le souligner. C'est-à-dire, la première chose de faire, c'est d'écrire le sujet de votre rédaction. Par exemple, ma ville natale. Voyez, le sujet d'abord. Et on n'écrit pas le sujet en lettres majuscules complètement. C'est seulement la première lettre de chaque mot qui constitue votre sujet que vous allez écrire en lettres majuscules. Voyons, par exemple, ce que nous avons hier, ma ville natale. Vous voyez que c'est lettre M de ma qui est en majuscule. Et c'est lettre V de ville qui est en majuscule. Et c'est aussi lettre N de natale qui est en majuscule. Pas tous les mots qui constituent le sujet là, mais seulement la lettre qui commence chaque mot là. Bon. What we said here is that we are now discussing the process of writing this descriptive essay. We said that we have some steps to take one after the other. The first thing you will do, which is the first step you will take, is to write the topic of your essay. And it is only the first letter of each word that constitutes your essay that should be written in capital letter, not the whole word, not all the words that constitute the topic, as we have the example here, ma vie natale. It is only M of ma and V of V and N of natale that are written in capital letters. Then, deuxième étape, c'est l'introduction. Et dans votre introduction, ou bien ce que vous allez ficher dans votre introduction, c'est la définition des mots-clés de votre sujet, ou bien l'explication. Si le sujet-là n'a pas de définition précise, ben vous êtes obligé d'expliquer brièvement. Comme nous avons ici, par exemple, si votre rédaction est d'un ami, vous êtes obligé de définir un ami. Par exemple, si la question ou bien le sujet c'est qui est votre ami intime, ou bien parler de votre ami intime, ce que vous allez faire d'abord, c'est définir ami, parce que ami est le mot-clé dans votre sujet là. Then, vous allez définir, par exemple, un ami est quelqu'un ou bien quelqu'un vous connaissez et vous aimez beaucoup et avec qui vous prévenez de passer votre loisir. Ça, c'est une définition de l'ami. So, the second step is that you define your introduction. And this introduction consists of? It consists of the definition of the keywords in the topic of your essay. And if the topics of your essay has no precise definition or definite definition, then what you are going to do is that you give brief explanation of that topic that you want to write on. So as we have example here, in the example I gave you here, I want to write on my best friend. Then I define who is a friend. That is somebody you know, that you love very well, and with whom you prefer to wipe away your time with. So that is a friend. Then, troisième étape, c'est-à-dire, nous avançons maintenant à la troisième étape. Et le troisième étape, c'est le corps de la rédaction. Le corps de la rédaction. Ici, vous écrivez votre opinion, votre idée, ce que vous savez concernant
le sujet là qu'on vous donne. So, si vous avez ci-dessous les conjonctions, c'est-à-dire au cul d'écrire votre opinion, au cul de lancer votre idée concernant, le sujet là, vous avez des conjonctions spéciales que vous allez utiliser pour lier les paragraphes l'un après l'autre. Et par exemple, vous avez d'abord, ça c'est pour peut-être la première paragraphe, et vous avez de plus pour un autre paragraphe. Vous avez aussi en outre, malgré ça, et ainsi de suite. Ce sont des conjonctions spéciales que vous voulez utiliser de lier pour lier les paragraphes l'un avec l'autre. Et quatrième étape, la conclusion. Ici, vous écrivez la dernière phrase pour conclure votre rédaction. De votre conclusion, vous écrivez pourquoi vous aimez ou bien pourquoi vous détestez la personne là que vous décrivez ou bien la chose là que vous décrivez. Donc, ça, c'est votre conclusion. Et vous utilisez le mot conclusif pour introduire ça. Voyons cet échantillon pour vous guider de bien écrire une rédaction descriptive. We said that the first step in writing a descriptive essay is your conclusion. The third paragraph is your opinion, your idea concerning the topic given to you. So after writing that, then you go to the conclusion. Make sure you conclude your essay. If you do not conclude your essay, it's like having a body without legs. So is the body complete? No. So you have to write the conclusion. And the conclusion, maybe you are describing somebody, the conclusion supposes to be why you like that person or why you hate that person, why you like that thing or why you hate that thing. And I told you that we have some conjunctions which we are using to join our paragraphs together. For example, we have d'abord. You can use that one for first paragraph. When you want to come into second paragraph, you use something like de plus. And when you want to come to the third paragraph, you use something like en outre, malgré ça, and so on and so forth like that. Bon, je vous ai dit que voyons cet échantillon. Let us see this sample to guide you, pour vous guider en écrivant la rédaction descriptive. Bon, allons-y. D'abord, comme je vous ai dit, sujet. La première chose de faire, c'est pour écrire le sujet et vous souligner. The first thing, as I told you, you write the topic and you underline it. Please underline it. L'importance du médecin dans notre société. That is importance of medical doctor in our society. Importance of a medical doctor in our society. D'abord, quand on parle de l'importance de quelque chose, l'on parle de l'avantage aussi que le profit viché ou associé à la chose là. Et que l'on gagne remarquablement de la chose là. La chose là dont on parle ici peut être humaine ou non humaine. Ça, c'est l'introduction. In the introduction here, I define what is importance because it is the key word in that my topic. Then, sincèrement, le médecin est indispensable dans notre société. Il me plaît de soutenir mon opinion par les points discutés ci-dessous. Premièrement, le médecin soigne les maladies. Il soigne les femmes enceintes aussi. Il prend
soins du corps humain. Le médecin donne des conseils médicaux et il examine les malades. De plus, le médecin prescrit les médicaments aux malades pour la guérison des maladies. Il soigne les personnes âgées. Malgré ça, il prévoit des solutions aux problèmes médicaux. Il soigne les animaux aussi. Et les médecins qui soignent les animaux s'appellent quoi? Le vétérinaire. Un médecin qui prend soin des animaux s'appelle le vétérinaire. Il aide les couples qui n'ont pas d'enfants d'en avoir. En outre, that is another conclusion, I want to enter another paragraph. No, en outre, le médecin recommande les nourritures qu'on doit prendre pour rester en forme. Pour rester en forme, il fait les opérations chirurgicales quand même. Il fait la transfusion sanguine. Particulièrement, le médecin fait des recherches pour le bien des hommes. Conclusivement, je voudrais être un médecin, car ça c'est ma conclusion. I'm telling you the reason why I'm describing or like the medical doctor. Conclusivement, je voudrais être un médecin, car c'est une profession lucrative et respectueuse dans la société. Bon, nous sommes à la fin de notre discussion aujourd'hui, mais avant de partir, je vais vous donner un devoir pour vous guider de plus et pour que vous ayez la connaissance profonde de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Numéro 1, le devoir. Numéro 1, la rédaction qui décrit le trait intérieur et extérieur d'une personne ou d'un objet s'appelle... C'est pour vous de remplir le blanc là. C'est pour vous remplir le blanc là. Numéro 2, c'est-à-dire question numéro 2, écrivez sans l'explication. Il ne faut pas expliquer. C'est pourquoi, pour écrire, pour mentionner seulement. Le processus d'écrire une rédaction descriptive, étape par étape. Quels sont des processus? Étape par étape. Écrivez-la. Écrivez les processus là. Numéro 4, ça c'est la question finale pour votre devoir. Parlez de votre plat le plus préféré. Parlez de votre plat le plus préféré. Bon, le devoir encore une fois. Numéro 1, la rédaction qui décrit le trait intérieur et extérieur d'une personne ou d'un objet s'appelle... Vous allez remplir le banc. Bon, numéro 2. Écrivez sans explication. Le processus décrit une rédaction descriptive étape par étape. Je vous ai donné 4 étapes. Maintenant, vous allez mentionner les 4 étapes que je vous ai données. Et numéro 3, ça c'est la question finale. Parlez de votre plat le plus préféré. That is, write about or talk about your most favorable dish. So you write it there. So that is the those are the assignments given to you. So, bon, je suis toujours votre professeur de français, Monsieur Wole Agboloadje, et pour passer votre devoir ou bien pour passer des questions ou bien commentaires, il faut me contacter à travers mon numéro de portable. Ça, c'est 070-34-90-85-63. Encore, 070-34-90-85-63. For submitting your assignment, if you have comments or questions to ask, contact me through my phone number. That is 070-34-90-85-63. 070-34-90-85-63.
90-8563. Restez protégés parce que COVID-19 est véritable dans la société aujourd'hui. S'il vous plaît, restez protégés et continuez d'apprendre. Merci beaucoup. À la prochaine.